Tiens, allez, juste pour finir, on va faire un test avec un quartet de violon et on va voir ce que ça va donner là sur les Valdus 500, vu qu'il n'y aura pas de grave. Comme ça, on va être tranquille et on va voir juste en termes de timbre qu'est-ce que ça va donner avec en comparaison avec les Diamonds 250. Voilà, donc là, ça va être parti. On va commencer avec les Valdus 500, il me semble. Tu vois, je trouve que les sans qu'il y ait de basse, les Valdus 500 s'en sortent pas si mal sans qu'il y ait de basse, tu vois. C'est quand même assez incroyable cette histoire. Donc, bon, bah voilà, les gars. Petit comparatif terminé, parce que là, c'est vraiment le moment où il faut que j'y aille. Allez, ciao, ciao, les gars, et à très vite pour de nouveaux comparatifs.